Cette coupure symbolique de ruban marque la mise en service officielle de l'une des bases du parti Bloc républicain dans la ville de Parakou. Installée au quartier Banikani, dans le deuxième arrondissement de la ville, cette base servira de cadre au rassemblement des militants du parti, s'adressant à la population fortement mobilisée pour la circonstance. Rachidi Gbadamassi invite, au nom du secrétaire exécutif national du parti BR, les militants à la culture de la paix et la cohésion. La propriété, c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour nous. Le bloc républicain est l'expression des réformes partisanes. C'est très important. Les réformes qui combattent dans toutes les formes l'individualité. Au bloc républicain, on ne pourra plus. Celui-là est Benoît-Zi, celui-là est Abité, celui-là est Adambi, celui-là est Chante. Non. Cette culture de la paix et de la cohésion est indispensable pour une victoire certaine au soir du scrutin présidentiel de 2021. C'est pourquoi les leaders du parti Bloc républicain mettent déjà les petits plats dans les grands. Nous sommes à la veille des élections. Nous sommes venus sur le terrain, le Bloc républicain est venu mettre un ordre de bataille. Ces militants et ces militants, pour que la victoire soit sur base, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Désormais, militants et membres du parti Bloc républicain de Parakou sont prêts pour une élection présidentielle sans risque d'échec.